Thank you.
di separare il Santo Spirito. E sono un padre di tappa. Tu savais pourquoi tu avais dit aux apôtres d'attendre la venue du Saint-Esprit. Parce que tu le sais que sans toi nous ne pouvons rien faire. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous te cédons la place. Il est vrai qu'il fait chaud. Il est venu profiter pendant ce temps pour nous distraire. Mais comme il pourra le distraire, il peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifester en Jésus. Nous te laissons ce moment. Parle-moi encore. Parle-moi encore. Nos cœurs sont là devant toi. Oh Jésus. Je suis disposé. C'était pendant le jour de paix,
pas des soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église était l'ombre de sa gloire au Seigneur. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières et de nos saints, des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de déchets, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Alléluia. Voici un ange du Seigneur, souvent et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi constamment. » Alléluia. Le jeune tombait de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange. Était, alléluia, alléluia, par l'ange était réel. S'imagina avoir une fusion. Non, bien, c'est la réalité. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer haut qui menait à la ville et qui s'ouvrit tellement de gloire au Seigneur. Devant eux, il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il revenait à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des rôles et de tout ce qu'il est, de tout ce que le Père de Jésus attendait. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Pour jamais dire ce passage. Alléluia, soyez bénis. Je salue le peuple de Dieu aussi qui nous suit par le canal des réseaux sociaux. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse plutôt. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Alors nous parlons de ce passage que nous avons tant entendu. Alléluia. Mais lorsqu'on reprend toujours, comme je l'ai dit, c'est que tu as déjà dit qu'elle prend le temps. N'est pas lié comme une nature, mais prends le temps de méditer. Tu verras qu'il y a des richesses qui se trouvent encore dans ces passages des Actes des Apôtres 12. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je donnais comme un thème à notre message la persévérance dans la prière. Je bénis le Seigneur pour notre vie et le vendredi passé. Alléluia. Oh, j'aime quand le Seigneur confirme le message. Il dit, Seigneur, doivent blesser ou doivent changer. Mais lorsque nos bien-aimés, Frère Jean-Marie a commencé à parler de la prière, chacun de nous a parlé sur l'importance de la prière. Comment dois-je prier? Où dois-je me mettre pour prier? Quelle position dois-je avoir pour prier? Oh, je dis, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. La persévérance, alléluia. Demeurer, résister. Alléluia. Persévérer, c'est résister. Le combat sera là. Tu pries, mais ça ne change pas. Rien ne change. Alors continue. Alléluia. Continue de prier. Alléluia. Sois, tiens-toi ferme dans ta prière. Ne change pas ta position de prier parce que le combat résiste. Parce qu'il y a toujours le champ de ce que tu fais. Le Saint-Esprit te dit, tu dois persévérer. Alléluia. Persévérer dans la prière. Bien-aimé, nous sommes en train de voir Luc 18. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour que nous ne puissions pas nous relâcher? Le Seigneur nous parle de cette femme qu'on appelle la veuve, le juge unique. Alléluia. Le Seigneur nous montre, lui dira de prier et de ne pas te relâcher. Cette femme ne se pas relâchée. Alléluia. Nous ne savons pas comment elle va se comporter devant cette femme. Mais ma parole à moi, la Bible à moi lui dira qu'elle allait tout le jour vers le roi. Peu importe ce que le roi nous disait. Alléluia. Oui, nous lisons aussi, on nous parle aussi, alléluia, les 1 Thessaloniciens 5 et 7. Qu'est-ce qui est écrit? Priez sans cesse. Non, ça s'arrête là. Le Seigneur ne te demande pas combien de fois tu as prié. Mais le Seigneur te dit, priez sans cesse. Et lorsque nous lisons aussi Colossiens 4 et 1, il dit, persévérez dans la prière. Vivez-y avec passion et grâce. Le Saint-Esprit est venu aujourd'hui pour réveiller une personne. Je ne sais pas, peut-être c'est moi. Peut-être c'est toi. Parce que la parole, moi je suis que Pierre qui avait prié là-bas au Seigneur.
c'est le Seigneur qui parle maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il a commencé à nous parler le vendredi lors de notre prière. Il continue à nous parler maintenant. Il vient encourager une personne qui a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bénis quand appartient à Dieu. Amen. Le moment où le temps appartient à Dieu. La parole est claire, le maître tombe de circonstances. Alléluia. Lorsque nous parlons de Corneille, nous savons ce qui s'est passé avec cet homme. Il faisait du bien et cet homme priait. Le Saint-Esprit te dit, tu vas abandonner. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu t'es relâché. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Continue et persévère. Car le Seigneur est celui qui écoute la prière. Amen. Alléluia. Peu importe le temps, les peuples d'Israël, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Jusqu'à ce que le Seigneur dira à Moïse, j'ai entendu, bien aimé, je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, j'ai entendu ta prière et je suis moi-même descendu pour répondre à ta prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Pleinement tout le temps. Et nous sommes en train de voir, comme je dis que nous avons prié, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de ce roi Hérode. La Bible nous dira que vers ce même temps, lorsque nous commençons par les actes des apôtres 2, nous commençons à voir ce qui se passait. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler. Pierre qui était dans sa destruction, il prêchait. Les gens étaient étonnés de la connaissance de Pierre. Et l'église était enveloppée de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu beau mère à côté. Ils avaient la folie de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sentons que quand il y a telle chose, il est remarqué. Quand tu te lèves de la prière, tu dis, non, la semaine prochaine, non, cette semaine, oui, pas gêné, mais je vais me consacrer plus. Tout ce que je ferai sera tout autour de la prière. Mais tu verras comment l'ennemi va te combattre. Comment l'ennemi cherchera toujours des choses ou de prendre ton temps pour t'empêcher de prier. Pour t'empêcher d'être en communion avec ton Dieu. On le dit qu'en ce même temps, alors que les disciples commençaient à se faire du bien, commençaient à se dire, toi tu iras là-bas, moi j'irai là-bas, et l'ennemi a conseillé, dit non, si je laisse ces gens, ils vont nous donner. L'ennemi c'est Hérode. La parole déclare, vers ce même temps, Hérode commence à persécuter, alléluia, le membre de l'église. Il commence à persécuter, commence à faire souffrir le membre de l'église. Quelques membres de l'église. Et il a arrêté Jacques, le frère de Jean. La parole me dit, c'est lorsqu'il a arrêté Jacques, il a fait tuer par le mai. Alléluia. Et les dit, la parole dit qu'il voyant que cela était agréable. Oh, l'ennemi, il se plaint de ce qui t'arrive. Bébé, ne reste pas, ne reste pas à faire ton coin. Zambéroïne, Seigneur, c'est quoi? L'ennemi se plaint de ta souffrance. Tu vois ce problème-là? Tu vois ces difficultés que tu as là? L'ennemi trouve ça agréable. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière de l'air. Voilà pourquoi il est important de prier. La Bible dit que Hérode voyait que cela fit agréable aux Juifs. Il arrêta Pierre. Bébé, il y a des gens qui sont intouchables. Dis-toi que je suis intouchable. Il y a des gens qui sont touchables. La parole dit que lorsqu'on a arrêté Jacques, j'ai regardé, pasteur, si tu peux m'aider, je n'ai pas vu là où l'église se réunit. Je n'ai pas vu là où l'église se réunit, les disciples, pour prier. Mais en tout cas, je dis, je n'ai pas vu. Mais comme l'ennemi est têtu, lorsqu'il commence, on nous parle de sa mission, dans Jacques 10, lorsqu'il commence à défaire du mal, à fermer ta vie, c'est que sa mission est de t'anéantir, de t'éloigner de Dieu, d'affaiblir. À quoi bon de prier? Beaucoup de gens me disent, mais j'avais prié, mon frère est mort. Mais où est Dieu? Mais il est Dieu. Il est Dieu. Peu importe quoi il est Dieu, ce n'est pas la mort ou quoi que ce soit qui se passe dans ta vie qui peut arrêter, alléluia, sa grandeur, sa seigneurie, il restera Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Agréable. Et bien, je me suis arrêté par là. Ça m'a touché lorsque j'ai médité ce passage. J'ai dit, ah ah. Donc, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive dans nos vies, dans notre vie, l'ennemi se pleut de ça. On décapite quelqu'un, on tue quelqu'un.
L'ennemi a essayé. Bien-aimé, il peut essayer chez les autres, mais pas chez toi. Amen. Il peut essayer chez les autres. Dis-toi que je suis intouchable. Même ici, il vient, il verra que tu es un Dieu. Alléluia. La parole dira ceci. Ils ont arrêté Pierre. Il a arrêté Pierre. Non, on avait oublié que Pierre était intouchable. Le rendez-vous avait oublié que non, on ne peut pas toucher à Pierre. Parce que Dieu avait des projets pour avec Pierre. Il y avait des choses que Pierre devait faire. Pierre n'avait pas encore arrêté d'évangéliser, d'appeler les gens vers le Seigneur. Alors Pierre ne pouvait pas mourir. Même la parole me dit ceci. L'église s'élève pour adresser des prières pour lui là-dessus. L'église s'est élevée. L'église s'est élevée. Je me suis posé des questions. Où était l'église? Pendant que chaque le frère de Jean était en prison. Dans la peine, dans les questionnements, dans la distraction qui nous arrive quelquefois, on se réveille, oh Seigneur, où étais-je? Où était l'église? Parce que c'est aussi un disciple, le Jacques. Mais la parole me dit que pour Pierre, je prie que tu te lèves, bien-aimé. Je prie que tu te lèves. La parole dira, la fin de toutes choses proches. Mais il est en train de vaguer dans la prière. Vaguer, mais courtisant, il est en train d'entrer. Alléluia. Avec une précipitation. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps, bien-aimé. Parce que l'ennemi n'a plus de temps. Son temps bientôt. On le cherchera. Il va avoir dans sa tête. Je prie que tu s'en vas. Parler sur laquelle l'ennemi cherche. L'église, je prie. C'est une prière dans notre temps, bien-aimé. Ce qui se passe plus dans notre temps maintenant. Lorsqu'on entend qu'un bien-aimé est tombé, et sa terre de Dieu a eu un problème quelconque, bien-aimé, Facebook aura tellement de vision, amen, de vue. Il y aura tellement de vue. Vous voyez qu'il y a, une vidéo de 30 ou une heure, 1000 vies. Et ne disons pas combien elle partage. Parce que bien-aimé est tombé. Mais la Bible dit que Pierre est arrêté. L'église s'est levée pour prier. L'église a compris. La seule chose que nous avons, c'est la prière. C'est chercher à nous rattacher à notre Dieu. C'est chercher la présence de Dieu. La prière nous couvre. La prière te protège. La prière appelle nous que l'ennemi vient. Il te trouve en train de prier. Il te trouve en train de poser des bonnes actes. L'ennemi a peur, c'est loin de toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la distraction. On ne prie plus, nous tous nous sommes là dedans. Tu as vu ce qui s'est passé avec tes frères? Ta vie, ce qui s'est passé? Mon serviteur tombé, la seule serviteur que tu peux tomber. Je ne fais pas le révéler, de réveiller, de rélever. Ce n'est pas toi ou moi de juger. Mais toi et moi, ce que nous avons fait, c'est avant la compassion. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Un jour, ça t'arrivera aussi. Mais il n'y a plus la compassion. L'église, le peuple de Dieu, nous n'avons plus la compassion. Et ma parole me dira ceci, Néhémie, lorsqu'il a appris qu'elle a été détruite, l'ennemi s'est dit, je vais aller chercher le mien, nous allons construire, nous allons prier. Néhémie n'a pas dit non, et t'as dit ma voix, c'est un problème. Moi je suis là où je suis, non. Néhémie s'est élevant. Et nous connaissons la suite. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, bien-aimé. Les disciples, personne d'entre eux ne s'est dit, non, Pierre aussi, il exagère. Comme les femmes ont dit à Pierre de ne pas sortir. Comme les femmes ont dit à Pierre de rester enfermé ici. Pourquoi ils sortent juste son problème? Moi, je n'ai pas les temps. Et t'as les temps, ça ne me concerne pas. Personne n'a prononcé ces paroles. Mais aujourd'hui, je me rappelle les années passées où il y avait des troubles pour moi et décès. Le pasteur se réunissait à Arène pour prier, élever, nous mettre dans le très haut et pleurer la grâce de Dieu. On s'est retrouvé quelques personnes. Même pas les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est notre pasteur qui a organisé ça. Parce que celui, je n'irai pas. Ah, non, bien-aimé. Je me suis dit, mais c'est la prière. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui nous sommes bien-aimés? Revenons, bien-aimé. Soyons comme les disciples ici.
Personne ne s'est posé la question. Personne ne s'est dit, Pierre aussi non. Un jour, j'avais parlé avec Pierre. Il m'avait mal répondu. Et mais je peux pas vous raconter l'histoire. Nous sommes au travail. Moi, au travail, même avec qui que ce soit les Congolais ou les Marocains, il m'appelle toujours maman. Et il y a une fille qui avait presque l'âge d'Adam Junior. Il était là. On travaille, mais je me souviens aussi, je donnais des conseils jusqu'à ce que son mari est venu. Et il a mis en honte. Il nous avait d'ailleurs appelé pour aller voir son enfant. Ce dimanche-là, j'étais avec Marie et tout ça, j'avais pas eu le temps. Mais j'étais contente quand elle m'a appelé. Et je me suis dit, j'ai dit aux autres, mais tout le monde dit, après le retour de Congo, nous allons réunir pour aller à acheter quelque chose. Il y a qui est venu là? Une femme là, une autre, un collègue de travail. Même le pays aussi que elle. Elle dit non, moi je ne vais pas donner mon argent. Je dis mais pourquoi? Il dit non, quand il m'a appelé, il ne m'a pas appelé. Un jour je lui ai parlé, c'est comme si Dieu dit que tu le veux ou pas, parce que c'est le problème du travail, tu vas donner les 10 euros. Et je lui ai dit, et je commence à montrer non. Toi, tu me montres que tu fais le travail, tu fais des choses. Mais où est l'amour? Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas appelé que je ne vais pas donner. Toi, manifeste l'amour. Il c'est comme ça maintenant le chrétien. Il m'a fait mal, du mal. Moi aussi je veux le remettre. Non. On ne remet pas le mal par le mal. Amen. C'est de Jésus. Sinon Jésus n'allait pas me pardonner. Allez cesser de me pardonner. Amen. Quand l'homme a péché, le Père a envoyé son Fils unique. Et il a donné Jésus pour que toi tu aies la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Pierre est sorti. Pierre plutôt était toujours arrêté. Le disciple priait. Le disciple ne cessait pas de prier. Les disciples ne se posaient pas de questions. L'église élevait toujours la même prière. Mais je suis venu pour ce qu'il est, la foi. J'aime toujours le dire. Pour ce qu'il est aussi ma foi. Bien aimé, on sent que les chrétiens nous tournent un peu. Mais on nous parle de Daniel. Il me déclare que lorsque le roi Jairus, si je prononce bien le nom, il dira ceci, que tout le monde devait se prosterner devant les statues qu'il avait élevées. Et la parole nous dira ceci. Daniel, lorsqu'il a su que les décrets étaient élevés, cet homme entrait dans la prière. Il est allé chercher Dieu. Et la parole me dit qu'il priait trois fois par jour. Et je ne sais pas si nous prions combien de fois par jour. Et nous allons pouvoir prier. Prière, ça devient plus lourd pour nous les chrétiens. Mais c'est notre arme. C'est la prière qui nous connaît au ciel. Alléluia. Et là, il se garde dans nos salons. Nous appelons le Seigneur dans la prière. Et lorsque je parle de la prière, le pasteur a dit aussi le vendredi, posons-nous de bonnes actes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh, j'ai gêné. Et moi, 40 jours. Oh, je connais la Bible. Mais lorsque tu le vois en train de poser des actes, en train de parler, de dire des choses, tu te poses la question, est-ce que le chrétien parle? Notre Dieu aime ceux-là qui posent, qui obéit à la parole. Ne vous prenez pas ces mains petites, mais mettez-les en pratique. Amen. L'obéissance est plus que tout. Alléluia. On le dira que Daniel s'est élevé dans la prière. Daniel a commencé à prier trois fois. Donc Daniel a compris qu'il y a des décrets qui s'est élevé. Si je l'église, nous j'ai compris, je fais des choses dans ma vie, je ne vois que je le fais que reculer. Non, j'ai compris, tout ce que moi j'ai fait, il n'y a pas de résultat. Alors je dois changer ma position de prière. Alléluia. Daniel n'a pas regardé le chef. Daniel ne s'est pas dit, non parce que c'est le roi qui a dit, quand même c'est le roi, ou qui c'est comme ça les chrétiens. Quand même, tout le monde avait dit oui, non. Pourquoi moi je devais dire non? Je l'ai dit seulement parce que si nous allons voir mal, on préfère faire plaisir aux hommes qu'à Dieu. Et on le fait souvent, mes amis. On le fait souvent. Et la parole nous dit que ses amis l'ont surpris en train de prier. Ils ont surpris Daniel en train de prier. Et Daniel a été jeté à la foule. Mais je veux que nous puissions lire ce passage. Ça m'a beaucoup touché. Daniel 6, le verset
Regardez si c'est verset 20. Ça m'a beaucoup touché. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Nous voulons écouter ce que le roi prononce devant Daniel. Alléluia. Jeté. Daniel n'a pas cessé de prier. Daniel a compris que ma victoire est dans la prière. Ma victoire, c'est de rester attaché à Dieu. Alors nous allons prier. Alors, tu disais Daniel 20. Et Daniel 6 plutôt, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Lorsque le roi s'approche de Daniel, qui était à la fosse, il est écrit, en s'approchant, qui s'est approché le roi? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. C'est aussi un autre message. Le comportement du roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, écoutez-moi ça, bien-aimé. Daniel, serviteur du Dieu vivant, gloire au Seigneur, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lion? Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu que le Dieu de Daniel est vivant. Il a reconnu que le Dieu de Daniel est puissant. Il a dit que tu seras avec persévérance. Amen. Pourquoi les gens ne vont pas prendre ça, cette parole? Parce que le roi a vu, mais j'avais interdit, non? J'avais dit que personne n'allait prier un autre Dieu que moi. Mais cet homme, ça veut dire que même ici, on allait prendre le maître dans la fosse. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne point rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Gloire au Seigneur! Ça veut dire que cet homme allait, il allait à la fosse de lion, le lion était là, mais lui disait: mon papa est fidèle. Et tu le témoignes, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle force tu es. Je ne sais pas dans quelle force tu es. Mais je veux que tu chantes ce chant. Que tu es fidèle au que tu fais. Avec la persévérance. Il est rentré dans la force de Dieu. C'est que le roi a oublié. Le Dieu de Daniel s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lorsque lui s'élève, tout le lion, le faux lion là, il se pose. Il n'est pas le vrai lion. Daniel a été libéré de la force de lion. Parce que Daniel, c'était un homme de prière. Donc si Daniel respectait le roi, Daniel n'a pas insulté le roi. Disons, c'est parce qu'il m'a dit, je ne peux pas le procéder devant toi. Parce que j'ai un Dieu. Le respect aussi est très important. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il y a une chose qui s'est passée. Nous allons tout doucement. Parce que nous allons rentrer tantôt dans la prière. La parole me dira ceci. L'ange est venu le lendemain. On devait présenter Pierre devant, on dira devant qui? Devant le. On devait présenter Pierre. Alléluia. Afin qu'on puisse le mettre aussi, le tuer comme on l'a fait à Jacques. Le lendemain, je déclare, tu es encore l'ange. Le lendemain, on ne parle de ça. Dieu envoie l'ange. Qu'est-ce que l'ange est venu? L'ange est venu libérer Pierre. Et là, nous voyons le chemin qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant la porte de fer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas combattu. Parce que c'est Dieu qui était là devant. La Bible me dit ceci, la parole.
que la porte de fer s'est ouverte. Moi je prie, je ne sais pas c'est devant quelle porte. Devant quelle porte es-tu arrivé? Devant quelle porte ta situation est-tu arrivé? Mais la porte de pierre, pour que soit dehors, là, c'était la dernière porte de la porte de fer. Et la parole dit, la porte se souvient et derrière. Et je prie le Seigneur, lorsque nous allons prier, que les portes de ma vie, que les portes de cette assemblée, que les portes de ta vie, parce que tu as ton papa qui est fidèle, parce que tu as Jésus, que les portes s'ouvrent. Et bien une chose que je vais te dire, la parole déclare ceci, j'ai envoyé l'ange pour libérer là, pour libérer Pierre. Mais je ne sais pas, pour ton problème, il s'agit de quel ange? De l'ange Gabriel, il m'a dit. Il s'agit de quel ange pour toi, bébé? Pour bien dire avec l'ange, tu as besoin de l'ange. Il faut quel ange? Il s'agit de quel ange pour toi? De l'ange Gabriel. Tu as besoin de l'âme du message. Pour Jean-Baptiste, il y a celle qui attend de Jean-Baptiste dans cette assemblée. Tu as besoin de Gabriel. On a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Toi aussi, tu as besoin de qui? De l'archange Michael. Alléluia. Le guerrier qui vient devant tes combats. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu t'avance. Il a envoyé l'ange. L'ange est venu. Il a libéré Pierre. L'ange est venu. Il a parlé à Zacharie, Gabriel. Il s'est tenu devant la face de Dieu. Il a apporté le message. Et Zacharie et Elisabeth, ils ont conçu. Chikabara. Alléluia. Peut-être que tu comprends le problème qui se passe maintenant. Ne soyons pas distraits. Lorsque le Saint-Esprit te donne le message, reçois avec onction. Alléluia. Parce que lorsque nous venons dans un seul lieu, ce lieu-ci, nous tous nous sommes l'église. Nous formons l'église de Jésus. Et lorsque Dieu parle, lorsque tu sens que c'est toi que tu as parlé, arrache la parole. Moi j'arrache les paroles. Parce que j'ai besoin de l'ange dans ma vie. J'ai besoin que Dieu envoie l'ange. Moi j'ai besoin de l'ange à Gange Michael. Le guerrier. Alléluia. Lorsqu'il vient, les choses changent. Amen. Et je dis que nous allons prier. Je dis que tu vas rentrer dans la prière. Alléluia. Il y a l'ange qui est venu. L'ange est venu libérer bien. Alléluia. L'ange est venu. Et parce que l'ange était là, on apporte. Nous sommes là qui vous font. Tout est bien ouvert. Bien sauté. Bien marché. La porte était ouverte. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Alléluia. La parole déclare devant lui. Tout est prosterne. Le chef de tout. Le chant à sa haute. Lorsqu'il s'élève, le chant des combats. Tout est prosterne. Amen. Et les choses que je voulais te dire cet après-midi. Notre Dieu s'appelle. Madame, tout au long de la semaine passée, le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia. Comme le Dieu souverain. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fois de poser ces questions. Je disais, mais Seigneur, j'ai dû au travail. Pourquoi ça? On a failli faire ça. Pourquoi ce problème a surgi? Pourquoi? Le Seigneur se révèle et me dit, je suis le souverain. Cela veut dire, sa souveraineté est sur toutes choses. Et devant sa souveraineté, rien. Ni personne ne peut renverser cela. Sa souveraineté, c'est son règne absolu. Sa souveraineté, ça veut dire qu'il domine sur toutes choses. Il domine sur ceux qui te préoccupent. Il domine sur ceux qui t'empêchent d'avancer. Il domine sur ceux qui t'empêchent de réussir. Dieu se révèle à toi cet après-midi qu'il est le souverain de lui. Il est le souverain de ta vie. Alors, parce que le Dieu souverain, il a libéré Pierre à présent. Parce que le Dieu souverain, il a fermé la gare du lion afin que Daniel ne soit pas dévoré. Parce qu'il est souverain, alors que Zacharie était abattu. Alléluia. Et ce que j'ai aimé sur cet homme contre tous les aveux de Seigneur, il a envoyé l'ange de lui pour parler et donner la bonne nouvelle. Je veux te dire cet après-midi, devant ta situation, Dieu est souverain. Et tu dois les comprendre et tu vas les croire. Alors pendant que je sois déclaré la souveraineté de Dieu, j'appelle le bien-aimé des adoratrices. Ma
parce que nous allons prier. Tu vas déclarer la souveraineté de Dieu dans ton problème. Tu vas dire que mon Dieu est souverain. Mon Dieu est souverain. Il est souverain. Rien ni personne ne peut renverser mon Dieu. Il maîtrise toutes choses. Rien ne peut le surpasser. Il est le souverain de ma situation. Il est souverain. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.